Every brother was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire. Hey, coucou les amis, c'est Mademoiselle Petit Ange. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo en mode guerre sur World War 2. Donc oui, hein, comme je vous l'ai dit, retour sur Call of Duty. Je ne lâche pas la chaîne comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo YouTube. Alors, donc c'est un gameplay en mode guerre avec le Kar 98K, donc sniper. Alors oui, je me suis motivé comme vous pouvez le voir. J'ai les camouflages en diamant, donc oui, j'ai monté tous les snipers. Là je suis en train actuellement de monter tous les prestiges des snipers, hein. Donc il faut savoir qu'il y a deux prestiges sur chaque arme de ce nouveau Call of Duty. Donc c'est une partie, je précise, que j'ai faite, j'étais malade, je le suis toujours un peu, donc j'ai la voix qui part un peu en cacahuète, hein, je suis désolé. Et voilà, donc soyez un peu indulgents. Donc le snipe pour moi c'est pas, on va dire, l'arme préférée que j'aime, mais dans ce Call of Duty là, bah, franchement j'ai bien adhéré, j'ai bien accroché. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas l'aide à la visée, je ne sais pas. Mais personnellement j'ai kiffé jouer au sniper sur ce Call of Duty. Donc c'est une partie où bah forcément j'ai cut un peu, hein, puisque sinon ça aurait duré 20 minutes et j'ai pas envie de vous embêter avec 20 minutes de vidéo. Je vous ai mis, on va dire, les meilleurs passages qui me semblent bien pour moi, hein. Donc vous allez voir quand même que j'arrive à me débrouiller à faire quand même au total sur les deux manches, hein, je précise, je fais pas loin de 54 kills. Donc franchement je pense que je me suis vraiment mais vraiment bien débrouillé. Donc là vous voyez, je vais faire un petit enchaînement, mais bon, toujours, c'est toujours broc, hein. Il n'y a jamais de triple ou de quad ou autre, c'est toujours broc, il y a toujours quelqu'un qui tue un ennemi entre et ça m'énerve un peu. Mais bon, voilà, hein, comme j'ai dit, je suis pas une spécialiste du snipe, mais au moins voilà, je me suis amusé, c'est le principal. Ça faisait un moment, pour pas vous cacher, hein, que sur un Call of Duty au début je me faisais chier, fallait dire la vérité, je me faisais chier sur le code, les derniers qui sont sortis, donc pour vous dire, hein, de toute façon il n'y a pas eu de vidéo multi, hein, je parle sur Advanced Warfare, puisque je n'ai pas joué au multi vu que c'était un jeu qui me plaisait pas du tout. Sur Infinite Warfare également, je crois que j'ai pas fait de gameplay puisque j'ai très peu joué, puisque c'est un jeu qui me sort de la tête complètement. Si j'ai fait du Modern Warfare quand même, pourquoi? Parce qu'encore une fois on revenait à l'ancienne, comme on est actuellement sur ce nouveau Call of Duty World War 2, hein. Donc c'est à dire à terre, jeu aérien terminé, donc voilà pourquoi je vous avais fait quelques parties. Donc là il faut savoir que pour l'instant c'est une de mes meilleures games en mode guerre au sniper sur ce Call of Duty là. Même quand la bêta était disponible, je n'ai pas fait mieux que les 54 kills. Donc je sais que bon, pour certains ils me diront ouais, ouf, c'est la base quoi, c'est petit. Mais franchement pour moi, en sachant que j'étais malade, je me suis vraiment démené pour vous faire quelque chose d'intéressant, parce que ça faisait un moment que j'avais pas mis de vidéo, et encore moins sur ce Call of Duty qui est maintenant sorti depuis plus d'un mois. En fait, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que je me suis dit, non, ça fait, oui, plus d'un mois maintenant. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, on y va, je vous fais quelque chose, j'essaye de vous sortir quelque chose, malgré que je suis malade. Pardon. Donc vous allez voir que les ennemis vont quand même galérer à nous prendre les zones, mais ils vont y arriver, hein, bien sûr, sinon le gameplay serait déjà fini. Mais franchement, vous allez voir quand même que je me suis quand même, pour ma part, hein, franchement, je me suis vraiment bien débrouillé. Bon, il faut que je m'améliore vachement au snipe, puisque je reste quand même, on va dire, assez longtemps, même trop longtemps, en viseur fixe, ça je vous l'accorde. Donc il faudrait que j'arrive à faire quelque chose de beaucoup mieux, que ce soit plus fluide dans mon gameplay, pour que ça soit plus joli à regarder. Ça je vous l'accorde, il n'y a pas de problème, mais il faut que je m'améliore, il n'y a pas. Donc le mieux pour s'améliorer, comme Skyros dirait, il faut, même si vous prenez des grosses défaites, continuer à jouer, il faut vous entraîner. Donc c'est ce que je vais faire, m'entraîner, malgré que je prends des fois, je vous le dis, hein, des piquettes, mais quelque chose de sévère, hein, quand même. Donc
franchement, ça me fait plaisir de vous faire des vidéos sur la chaîne YouTube, de l'alimenter un peu, hein, parce que franchement, oui, comme je l'ai dit, il y a eu pas mal de changements dans ma vie, dans ma dernière vidéo, ça je l'ai dit. Donc forcément, le temps que je me remette dans le bain, le temps que je réinstalle, que ce soit mon PC, ma console, etc., c'est sûr que c'est pas venu de suite, mais le principal, c'est que je vous sors quelque chose de potable, là, aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez apprécier, j'espère surtout que vous allez partager un max, hein, que vous allez liker également si la vidéo vraiment vous a plu. Dites-moi aussi si vous voulez encore d'autres gameplays sur code, mais qui sont coupés comme celui-là, ou si vraiment vous voulez que des morceaux, enfin des gameplays complets, où je me fais détruire complet en fait, hein, tout simplement. Ça, dites-le moi en commentaire, hein, ça va m'aider à savoir pour la prochaine fois. Donc là, j'ai une grenade inutilement puisque je l'ai jetée dans mon camp, comme vous voyez. Donc heureusement qu'on n'était pas en mode hardcore, parce que là, je tue mes ennemis, c'est sûr. Ça aurait été bête d'ailleurs, mais bon, voilà. Donc là, comme je vous le disais, vous voyez que je reste vachement en viseur fixe, c'est vraiment dommage. Il faut vraiment que je m'améliore là-dessus parce que franchement, c'est pas très beau à regarder, hein, ça c'est sûr, parce que c'est quelque chose qui est fixe, qui est vraiment pas joli du tout. Alors vous allez voir qu'à chaque fois de fin de game ou fin de partie, hein, comme là, de manche, bah là par contre je me défoule, hein, là j'essaye de pré-shoot, je me dis on sait jamais, ça peut passer, si je pré-shoot peut-être ça va passer, bon malheureusement ça passe jamais, hein, ça faut pas se mentir, mais voilà, chaque fin de game ou de manche, j'essaye de me donner le max pour pouvoir faire gagner mon équipe, c'est un truc de dingue, parce que franchement, le mode guerre, c'est un des meilleurs modes sur Call of Duty qui a pu être ajouté, en fait, hein, si je puis dire, sur un Call of Duty depuis toute l'histoire de Call of, parce que franchement, ce mode-là, c'est vraiment une tuerie. Bon, d'accord, ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à le mode, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec le robot dans Black Ops 3, ça me fait énormément penser à ça, mais franchement, là, c'est vraiment une tuerie, parce que, je sais pas, c'est un mode qui fait revivre Call of Duty, donc personnellement, je kiffe ce mode de jeu. Bon, bien sûr, je vous proposerai d'autres gameplays sur de la MMO, de la demi, enfin, je sais pas trop. Bon, pas de recherche et destruction, malheureusement, parce que c'est pas ce que je kiffe, hein. Ça je vous l'accorde, mais voilà, je suis bien revenu, je suis là, je vais vous faire des vidéos, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je vous ferai des vidéos quand j'en ai l'envie, quand j'ai le temps, et quelque chose qu'on va dire qui sont vraiment intéressants. Bon, ok, mon shoot de poney malade, là il se voyait, la preuve, je suis pas capable de rentrer, on va dire... correctement les balles sur un mec, je faisais que de bouger, là le snipe c'est pareil, je faisais de la cata, de la merde, c'est le cas de le dire, mais voilà, au final j'ai quand même réussi, on va dire, à me rattraper et à faire gagner l'équipe, bon c'est pas grâce à moi, mais on a gagné et c'est le principal. Donc vous allez voir que dans cette première manche, bon, j'ai fait quand même 40 kills, et franchement c'est pas rien, hein, j'étais vraiment fier de moi quand même quand j'ai vu le score, parce que franchement je pensais pas avoir fait autant de kills. Et pour ce qui est de la seconde manche, eh ben là, franchement, ça a été autre chose. Hein. Ça a été très, 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 très rapide. Parce que, franchement, mes coéquipiers, on va dire, ont fait les trois quarts du taf, faut dire la vérité. Puisque moi, au snipe, on va dire, j'ai pas pour habitude de... Comment dire? De rentrer dans le tas. Et du coup, ça m'a... On va dire, j'ai pas aidé forcément mon équipe à gagner. Surtout dans cette première manche là que vous voyez, cette première étape. Parce que, bon, en général, je vais pas attaquer sur la maison avec le snipe. Puisque j'ai du mal, on va dire, à aller très vite au snipe pour viser. La preuve, hein, vous voyez, le gars est passé. J'ai même pas eu le temps de lui mettre une balle alors qu'il passait tranquille. Donc voilà pourquoi je prends, on va dire, mes distances comme un vrai sniper, on va dire. Mais voilà... il faut vraiment que je m'améliore, il y a que ça qui fera que mes gameplays seront plus, je sais pas comment vous dire, mais mieux à regarder, on va dire. Donc là, hop, j'attaque cette fois avec mon arme secondaire. Alors oui, j'ai pas pris, pour ceux qui ça va étonner, oui, j'ai pas pris d'arme de pistolet, parce que je trouve que les pistolets, bon, c'est peut-être moi qui sais pas tirer non plus, hein, la preuve, hein, ne sont pas assez efficaces. Bon, par contre, les autres, si, quand ils me tirent dessus avec des pistolets, c'est très efficace. Par contre, moi, quand je tire dessus, il meurt pas. Donc voilà pourquoi j'ai pas pris de pistolet en fait, hein, en arme secondaire, mais je suis rabattu sur une petite mitraillette pour faire mes kills, ce qui est bien plus pratique pour moi.
Alors là, j'essayais de tirer sur ce que je voyais, on va dire. Sauf qu'il n'y avait rien. Personne, du moins. J'étais seul au monde, on va dire. Donc voilà, hein, c'était un peu la merde. Là, c'est pareil, j'ai pas fait énormément de kills puisqu'ils avaient du mal à sortir de leur cachette. Donc du coup, bon voilà, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai cut. Là, ça se voit beaucoup que j'ai cut, hein, j'ai pas eu le choix. Là, par contre, je vais me faire plaisir, vous allez voir. Donc, bon, il y en a que je vais rater, hein, mais il y en a que, non, je vais pas rater, forcément. Donc, franchement, j'ai fait un petit enchaînement, j'étais fier de moi, mais toujours Brock, encore une fois, comme vous pouvez voir aller en bas à la feed, hein, il y a toujours un ou deux mecs entre-temps qui tuent des gars, donc forcément, c'est Brock. Mais bon, c'est pas grave, le principal, c'est que je me suis amusé sur cette partie, sur ce Call of Duty. Donc faites de même. Ne vous ne prenez pas la tête sur un ratio ou quoi, franchement. Éclatez-vous, parce que ce jeu, franchement, c'est un pur kiff. Il n'y a même pas d'autre mot, c'est un pur kiff. Donc là, pareil, je vais essayer d'y aller tranquille, sur le côté, pour essayer de shooter les mecs. Mais franchement, bah, c'est pas gagné, parce que déjà, d'une, bon, on n'est pas, il n'y a pas que moi qui snipe. Il y a d'autres snipers dans mon équipe qui sont meilleur que moi, donc forcément c'était pas le top pour moi, hein. Mais voilà, alors là franchement j'étais fier de moi pour ce kill. Regardez, voilà, je le tue en pleine fumée. Je sais pas comment j'ai fait, je sais pas comment je savais qu'il était là, mais j'ai eu, on va dire, la chance de le tuer. Donc voilà, fin de partie. J'espère, bon, comme je vous l'ai dit, donc 40 plus 14, ça fait bien 54, donc 54 kills. Donc voilà, je suis vraiment fier de cette partie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous allez la partager un max. Et également me laisser un like. Allez, ciao, bye bye, les amis!